Daniel Delorme, nous allons nous en tenir, si vous voulez bien, essentiellement à vos rôles et tâcher de définir votre personnalité à travers vos interprétations. Je ne sais pas si je vois juste, mais une des choses qui saute aux yeux quand on vous voit au théâtre, au cinéma, c'est la tristesse, ça va prendre la chose en bonne part, mais la tristesse que vous conférez à votre interprétation, à votre personnalité, en somme. Mais moi, je ne trouve pas que je confère une tristesse quand on me donne des personnages dramatiques. Il faut bien que je sois dramatique. Personnellement, je n'ai pas du tout un caractère triste. Je suis follement gaie et follement optimiste. Et si j'ai l'air triste à l'écran ou dans certains rôles, c'est parce que le rôle le demande, mais pas parce que je suis triste. Je ne crois pas que je sois mélancolique d'aucune manière. C'est fou si on s'amuse. Non, mais vous employez un terme tout à l'heure qui était beaucoup plus juste, c'était le terme de pathétique. Rupture et de pathétique. Il y a une rupture Daniel, dans votre voix. Daniel est pathétique. Mais moi, je ne me trouve pas pathétique. Mais tu es même pathétique quand la soupe est brûlée. Ou... Oh, je te jure. Parce que t'es bête. Ah bon. Pathétique dans les moindres occasions de la vie. Non, mais il y a la qualité de votre voix. Ça, je crois que c'est très important. Ça ajoute encore à la manière dont vous jouez vos rôles. Cette qualité fait que tout à coup, il semble que vous allez vous envoler, qu'il y a une certaine joie, et puis ça se rompt, ça se brise. Mais c'est pas de ma faute. Ah oui, je suis pour rien. Peut-être, mais enfin, c'est donc votre personnalité. Mais sûrement. Mais enfin, je ne suis pas maîtresse, quoi. C'est vrai. Continue comme ça, là. Vous êtes dans la bonne voie. Il me semble qu'il y a deux rôles où cette chose-là est assez bien démontrée, deux rôles qui sont au pinacle de votre carrière. L'un, c'est Colombe de Jean Anouilh. L'autre, c'est le rôle de Nora dans La Maison de Poupée d'Ibsen. Pouvez-vous nous parler un peu de ces deux pièces et de la tristesse que vous y avez mise? Ben, si vous voulez, je crois que j'ai mis non pas de la tristesse, mais... Enfin, j'ai essayé de mettre... Non pas de la tristesse, mais du pathétique dans Maison de Poupée, parce que Nora est un personnage essentiellement pathétique. Elle le montre bien, puisque au premier acte, elle est justement ce petit oiseau chanteur et plein de gaieté et insouciant, et qu'au fond d'elle-même, elle a, malgré ses airs excessivement gais, elle porte un drame de conscience excessivement grave en elle. Et c'est un rôle essentiellement pathétique, alors j'ai essayé d'y mettre du pathétique, alors peut-être j'ai été aidée par ma nature réelle, je ne sais pas, en tout cas ça me plaisait certainement beaucoup, s'il y avait beaucoup de choses dans le rôle qui correspondaient à des choses profondes en moi. Alors je me suis j'ai un petit peu volé de ce que je suis pour me servir, pour jouer Nora, mais ça on le fait toujours. Mais bien sûr. Mais pour Colombe par exemple, il me semble que c'est un rôle justement beaucoup moins pathétique. Colombe est un rôle cruel et qui ne semblerait pas du tout ni dans la tristesse ni dans le drame. C'est après, quand on sortait, on se disait, mon Dieu, mais c'est très cruel, très épouvantable. Mais quand on le voyait, quand on me voyait jouer, je ne pense pas que je dégageais le moindre pathétique. Mais vous vous trompez absolument, c'était affreux quand Daniel Delorme s'en allait à la fin de la pièce. Mais c'est lui qui était pathétique, c'était pas moi. Oui, mais enfin, à cause de vous, comprenez-vous, vous étiez, mais vous l'abandonniez. Colombe partait avec son petit égoïsme et sa cruauté toute féminine, avec son petit air de ne pas y toucher, et la situation était pathétique, mais pas moi. Enfin, c'est vous qui la rendiez pathétique, du moins, c'est comme ça que j'ai ressenti, je crois que c'est comme ça qui est vous. Si vous voulez, je me défends beaucoup. C'est de l'humilité, elle est très humble, ma femme est très humble, c'est de l'humilité. Pas du tout, Parce que je te dis que t'es humble. Il est ridicule, c'est pas vrai du tout, c'est pas ça.